Salut à toutes et à tous les potos, c'est Skywalks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars, sur World War 2. Voilà, comme vous pouvez le voir. On se retrouve sur World War 2, une petite vidéo comme ça, les gars, parce que je viens de débloquer tout juste une arme. Je suis niveau 52, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui connaissent, les gars, ceux qui ont vu les armes et tout, bah, ils doivent savoir. Vu que je suis niveau 52, les gars, et bah, j'ai débloqué la barre. Je viens tout juste de la débloquer. Donc voilà, je vous fais la petite vidéo. J'ai joué un petit peu, elle est juste niveau 2, les gars. J'ai rien de spécial. Juste le viseur ralenti. Puis voilà, les gars. Donc on se retrouve pour un petit gameplay à la barre. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de gameplay dessus, mais je m'en fous. C'est pas grave. C'est sur ma chaîne. Et j'adore cette arme. Je la kiffe. À chaque fois que je la prenais aux ennemis, les gars, je faisais des putains de carnage et tout. Du coup, bah voilà, j'ai décidé de faire un petit gameplay avec. Parce que, bah franchement, elle est magnifique cette arme. On va pas se mentir. Puis voilà. Juste. Ok, j'avais cru l'avoir en mitraillette, mais je me disais c'est pas possible. L'arme elle est tellement grande, puissante et tout. Quand elle tire, on sent que c'est du gros calibre, c'est un truc de ouf. La cadence de tir, elle est pas tip top, hein. Elle est 7 précision, 5 portée, 6 dégâts, 7. Ah, les dégâts, les gars, c'est un truc de fou. Après, vu que j'ai pas les bons accessoires pour le moment, j'ai pas un vraiment un bon shoot, les gars. Donc du coup voilà, c'est normal, mais en tout cas ça fait plaisir. Je voulais tellement la voir, j'en parlais à tout le monde, je la voulais tellement cette barre. Puis voilà, enfin je l'ai eu. Mais bon, là je vais pas mettre ce viseur parce que je l'aime pas. Je vais garder le viseur principal. Puis voilà, les gars, on se retrouve tout de suite en game. À tout de suite, les potos. Et donc les gars, on se retrouve sur Sainte-Marie-du-Mont en match à mort par équipe, pardon, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, cette map, bof bof, hein. C'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est Canon. Gustave Canon. Moi, c'est ma préférée, je l'adore. Mais après, même s'il y a beaucoup de campeurs, vu que c'est une map pour les snipers. Mais bon, c'est pas grave. Bref, les gars, on va continuer d'avancer cette arme. Honnêtement, les couleurs, j'aimerais bien les débloquer, mais je suis pas motivé pour toutes les faire parce que c'est vraiment long. Et certaines armes, bah, je les aime pas, mais bon. Le seul Call of Duty que j'ai fait, c'est sur Black Ops 2, les gars. Non. Ah putain. Moi, faut toujours que ce soit comme ça. Si je regarde pas devant, c'est derrière. Si je regarde pas derrière, c'est devant. Enfin, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Il faut avouer quand même que c'est vraiment relou. En plus, j'ai un shoot de con. J'ai vraiment un shoot de con, hein, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Ok, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un en haut. Oh. Il n'y a personne. Pour une fois qu'il n'y a pas de campeur. Enfin, même si on a toujours 2-3. Hein. Voilà. Dès que j'aurai ma classe, là, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Bref. J'espère qu'en tout cas, les gars, vous allez bien. Donc, la petite vidéo. Quand vous regarderez cette vidéo, vous serez en week-end. Ok, je me barre d'ici. Ouais, donc vous serez en week-end, les gars, ça fera plaisir. On se retrouvera pour des lives sur World War 2 et Fortnite, je pense. Parce que tout le temps du World War 2, ça va être un petit peu écœurant à force. Moi, je préfère mieux jouer à plusieurs jeux en même temps. Enfin, plusieurs jeux. Un dernier. Ah dommage, comment ils savaient? Est-ce qu'ils avaient un drone? Nous avons l'avantage. Ok. Tu l'as vu. Okay, merci de me l'avoir volé. T'as des alliés qui servent à rien, mais par contre pour les voler, là ils sont au taquet. C'est vraiment un truc de fou sur ces jeux.
ce soit sur Call of Duty World War 2 ou les autres. Moi ouais, j'ai un moins shoot. Là je savais plus où lancer parce que je voyais un de mes potes, un de mes alliés dans le coin ennemi, du coup je savais pas où est-ce qu'ils allaient spawn. Wow. Ça campe comme ça les gars, c'est vraiment un truc de fou. S'il y en a qui regardent la vidéo et qui campent les gars, franchement arrêtez-vous. Regardez-moi ça. Vous êtes tous dans ces bâtiments, vous êtes... En fait c'est les gros pigeons ceux qui y vont. C'est vraiment un truc de fou. Pour y rester jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin de la partie, c'est n'importe quoi. Après tu peux rien faire, c'est les gens qui cachent les Call of, hein. Vous le savez tous ça. Regarde-moi ça. J'ai entendu une grenade. Ouais, j'avais bien raison. Ouais, c'est un allié. Allez, devant, derrière, comme des putes. Ah là là, ce jeu. Le truc qui fait chier quand même, c'est que tout le monde va se rejoindre. Toutes les communautés des autres Call of toutes pourries là, de merde. Comme code 4 masterisé par exemple. Ils vont tous se rejoindre sur ce jeu. C'est magnifique ça, non? Voilà. Tu vois, de tous les côtés. Ça c'est vraiment bien. Franchement pas mal. Voilà, en plus. Ça me saoule ces putains d'alliés qui te servent à rien. Mais ils sont là que pour te voler tes kills, ça c'est. Ok, ça va arriver là. Oh la colla, tu m'aimes pas. Ah bah le mec il est passé dans mon viseur sans faire exprès, dommage pour lui. Tout ça derrière, ça c'est normal. Regardez les gars, on a 14-9, hein, c'est vraiment de la merde. Attends, je suis un petit peu claqué. Oh. Ah c'est vrai, c'est ça ces bruits, j'ai pas remarqué, c'est comme les bêtises. Moi je les sauve les alliés, tu vois. Ça m'arrivera jamais ça. Ok. C'est un truc de fou, franchement j'en ai marre de ces putains de communautés. Une défaite tellement nulle avec des grosses merdes les gars. Le pompe, voilà. Magnifique hein. Ça on voit qu'est-ce qui s'est bien joué, qu'est-ce qui s'est pas joué. Ah là là, franchement j'ai vraiment fait une game de merde les gars. Un gameplay tout pourri mais c'est pas grave, on a eu la barre, moi je suis content personnellement. Je la voulais vraiment, je l'attendais. Surtout qu'en ce moment il y a double XP pour donc ceux qui ont World War 2 les gars. Bah geeker un maximum hein, pour augmenter les niveaux. Voilà voilà, moi je joue pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment le temps. Et puis je peux pas vraiment. Du coup bah voilà, niveau 52 bientôt prestigieux, je vous ferai une vidéo pour ça les gars, je pense la semaine prochaine. Parce que ce week-end je pense qu'on va plutôt bien jouer. En live et une vidéo peut-être. Puis vous verrez bien. On va voir ce qu'on a débloqué vite fait. Ouais, donc les stats, voilà, vraiment pas. J'ai quitté juste. Voilà. Ok, on a débloqué la poignée ergonomique, ouais, la poignée ergo et la poignée normale.
Voilà les gars. Maintenant il me faudra plus que le viseur niveau 5. Ok. Donc voilà. J'aimerais bien aussi avoir mes snipers en diamant. Les gars, ils sont vraiment stylés. Mais pour moi, le meilleur diamant, ça restera toujours ceux de Black Ops 2. Honnêtement, on va pas se mentir, les gars. Celui de Black Ops 3, j'ai pas vraiment aimé. On le voyait pas assez le diamant. On voyait plus de l'or, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, les gars, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit gameplay à la barre vous aura plu, les gars. On se retrouve ce soir pour un live. Parce que quand vous verrez cette vidéo, bah, ça sera ce soir. Moi, je l'ai tourné à midi. Et puis voilà, les gars. Donc, soyez présents ce soir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne, les potos. Ça fera extrêmement plaisir. On est à 451. En ce moment, on galère un petit peu. J'espère atteindre les 1000 avant la fin de l'année. C'est mon objectif, les gars. On est tellement allé vite qu'on je pense qu'on peut le faire. Mais que si vous partagez et que les nouveaux vous abonnez, ça ferait grave plaisir. N'oubliez pas le petit like, les gars. Objectif 10 likes, ça ferait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très vite à ce soir pour un nouveau live. Puis moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.